Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de State of Decay. Aujourd'hui, on va essayer de pas cracher de bagnole parce que j'ai vu que ça vous touchait vraiment quoi. Je comprends, je comprends. Par contre, on va faire des avant-postes aujourd'hui. Vous êtes encore encombré. Oh, pardon. Dégage-toi. Alors, vous êtes encombré. Ok, dis-moi tout. Ah, effectivement, je suis peut-être un petit peu légèrement encombré, oui. Ouais. Alors, c'est quoi comme balle ça? Du 45. Ok. Et ok. On y retourne. C'est un petit sac ou un grand sac ça? Mais c'est qu'il y en a du monde là-dedans, dis donc. Pour une baraque nettoyée, quand même. Je trouvais plus le bouton pour achever les adversaires. Ok. Respire un peu et après on s'attaque à la maison. Bonjour, bonjour. Oh, ça m'étonnerait qu'il n'y ait personne dans cette baraque. Tu me disais bien aussi. Dégage-toi. Et rentre chez ta mère, et voilà, ça c'est failli. Je trouve pas de truc à fouiller par contre. Bon, je sais bien que je suis à moitié bigleux, mais voilà. Maintenant tu nous fous la paix, monsieur. Tu vois bien qu'on est occupé quand même, merde. Allez, dépêche-toi un peu. Feignasse. On va faire un avant-poste ici, hein. Je vous le dis. Je vous l'annonce en exclusivité. Alors, hop. Établir un avant-poste. Non mais je veux un avant-poste, pas une nouvelle base. C'est pas n'importe quoi non plus. Placard à réserve. Hein? Ah oui, ils l'ont déjà construit, d'accord. Ok. D'accord. Alors, faut voir un petit peu ce que ça fait, ça. C'est bien, j'ai un avant-poste, comme ça les zombies ils peuvent plus apparaître. Alors, fais voir un peu ta carte. Voilà, donc tout ça devrait être sécurisé alors. Normalement. Là, il devrait plus y avoir de zombies. On devrait plus être emmerdé. Alors, rumeur, silence radio. L'armée se fait étrangement discrète. Ok. Au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on aurait de beau à faire? Mauvais augure, dites-le à Quentin ou pas. Si je vais pas le voir, je lui dis pas ou faut que j'aille le voir pour pas lui dire. Mais ce que je veux dire. Étudier le signal, on verra plus tard, c'est loin. Putain, c'est loin tout ça. C'est bucu trop loin. Alors, Mad Ma Ma Rogers Corner Store. Bien.
Là, ce qui est bien, c'est avec l'avant-poste que je viens de faire, j'ai juste à traverser la rue pour poser le sac de vivres, quoi. Ah putain, les réserves doivent être distribuées à la maison. Enfoiré. Enfoiré. Pauvre petit cancrelat pur. Et respire, respire, respire. Tout va bien se passer, mon ami. Ok. Attention, ça explose, ça. Il m'a vu. Bim. Ok. Ah, si, si. Ah super, j'ai fait trois fois le tour de la baraque pour rien du tout, je suis fin heureux. Et d'où que la zone elle est sécurisée sans déconner. J'espère que c'est pas que les brigades antiterroristes en France elles sécurisent pas les zones aussi bien que lui parce que sinon on est dans la merde quand même, hein. Non, mais c'est vrai quoi. Alors, bon, par contre, je peux poser tout ce qui est pied de biche et tout là. Je peux. Tu veux bien le prendre tout ça? Bon. Ah, t'es pas si con. Ça c'est fait. Alors, la maison d'à côté, elle est pas vide. Comment je t'ai défoncé toi? Coup de genou dans la gueule. Ok, coup de rouge panier. Oh, il est fatigué. Oh, il est fatigué. Ouh, il est fatigué. Allez, vite. Achève, 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 achève. Dépêche-toi, dépêche-toi. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Pourquoi il y a tant de macabées d'un coup là? Ok, ça c'est déjà fait. Hop, des analgésiques. Putain la vache. Je ne m'attendais pas à autant de résistance. Des munitions. C'est quoi ça? Pistolet. Ok, des pétards et des balles. Super. Super. Là-bas, qu'est-ce qu'on a de beau? Dis-moi un peu. Bon, je vais fouiller tranquille là parce que. Il y a un petit peu du people un peu partout, voyez-vous? Ça doit être les pièges de mon avant-poste, ça, à tous les coups. T'as 9 cocktails Molotov? Ah bah putain. Oh, tu sais quoi, gars? Hop, tu prends ça. Tu me les prends, les cocktails. Tu me les prends, je les veux. Je peux les prendre que par 3. Oh, t'abuses. Tu abuses. Attends, j'avais commencé à remplir une bagnole, moi. C'était un pick-up bleu, là. Ouais, là-bas. Là, je suis en train de faire clic droit pour me mettre en garde. Déformation professionnelle, Mountain Blade, quand tu nous tiens. Allez.
Ok, super. Cette maison-là, elle est pas faite. Bonjour, y a quelqu'un? Certaines tâches sont urgentes. Quelle tâche est importante? Il dit certaines tâches sont plus importantes et il me dit pas de quoi faire. Ouais, non, mais tout ça c'est de la merde, mon gars. Oh, il doit y avoir des problèmes de stress à la maison, à mon avis. On va aller voir ça tout de suite. Donc les explosions qu'on a depuis tout à l'heure, je suis sûr que c'est les pièges. C'est fait, c'est cool. Je vais poser un peu tout mon bordel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, dégager, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Super. Est-ce que t'as un petit silencieux pour moi, s'il te plaît? C'est bon. Tu changes de perso? Oh, pas tout de suite. Alors, yeux dans les cieux. Repérer les zombies pour les artilleurs de l'armée. Ouais, d'accord. C'est ça les missions importantes que tu voulais que je fasse? Non, sans déconner, comment tu peux dire que la zone est sécurisée, quoi? Il y a des zombies partout. D'accord, faut sûrement que je monte sur la tour de contrôle là-haut. Là. Niveau de combat 5. On va pouvoir apprendre des skills aussi. Hein. Survivors who cannot reach the Marshall Municipal Courthouse should contact us on this frequency. We'll make every effort to get you an escort. In position. Find yourself a good spot to get a bird's eye view. Donc c'est bien l'avant-poste, hein. Vous avez vu un peu tous les explosifs là qui pètent depuis tout à l'heure, ça éclate des hordes de zombies entières. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est un peu plus sécurisé quand même. Ouais. Donc là on va se mettre là-haut pour espionner les hordes de zombies qui passent afin que l'artillerie de maître Wang Chung Chang puisse les péter, au napalm. C'est quoi ça? Les zombies d'élite. Horde de zombies, hop, c'est parti. If anything survived that, you got bigger problems. Incoming, clear the area. Allez. Oh, ça pète de partout, c'est mignon, c'est mignon. Maison. Zombie d'élite. Il y a une horde là, juste là. Vous faites chier vos zombies d'élite là. Ok, mission terminée. Ouais, c'est des missions vraiment pas compliquées. Normalement, ça devrait me faire un petit peu de... Que dalle? Fin de mission... Putain, tu vas descendre, oui?
Je voudrais ma carte 2 secondes. Non, la loi, il n'y a pas de... Ce qu'ils me disent de les contacter, machin, machin, mais... Allez. Oh, une belle piscine. Tais-toi, tais-toi. Base à qui criera le plus fort. D'accord, il y en a un qui est en train de péter un plomb à la base. On va aller s'occuper de ça. Tout est bon. Plus de parachutage de l'armée. Ça, la langue française, des fois, je t'y jure. Alors, qui c'est qui s'excite là? Hey you. So long. D'accord. Non mais je suis pas revenu pour rien quand même. Ils font semblant de s'énerver les gars en fait, d'accord. Ou alors j'aurais dû faire une quête que je n'ai pas faite. C'est pas impossible. Ok, alors assez loin tout ça. Allez, on va aller voir Quentin en taxi. Moi, je veux pas lui dire à Quentin que sa copine c'est une pute, mais. Je veux que le scénario avance, quoi. Ah, faut que je donne des conseils à Marcus. Marcus, c'est le premier survivant, quoi. Ok, donc là déjà, on va récupérer le sac de médicaments que j'ai gagné à la dernière mission que je n'avais pas récupéré. Ah, ma voiture de police. Ah bah c'est super. Non mais encore une fois, c'est une zone sécurisée, ça. Ouais, t'es que... Mec. Hop, hop. Ah bah il y avait déjà un sac de ressources en plus. Ok. Qu'est-ce que tu vends, toi? Alors dis-moi un peu. Que de la merde. Je comprends pas trop l'intérêt de ces factions à la con. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, salut copain. Non. Voilà, comme ça j'ai fini la mission sans pour autant faire ma salope à dévoiler le passé de la gonzesse, quoi. Ok, donc c'est quoi? J'ai augmenté ma confiance? Non, même pas, peut-être un petit peu. Problème au tribunal, c'est loin ça. Ouais. Attends, je voudrais déjà faire un truc là. Voilà. I'll check this out next. You've been pushing yourself like crazy. Come home and get some rest. Ok, allez. Peu de la merde, ça. Ok, on y va. Ouf. Allez, on enchaîne. Allez, 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 allez. Attention. Ok. Il
Ils vont péter les machins, c'est sûr. Ok, donc lui c'est un zombie blindé, il va se faire foutre. Pourquoi t'as été tapé dans les machins qui allaient exploser? Ça se voyait qu'ils allaient te péter à la gueule quand même. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, on va aller mettre ça dans le coffre de la bagnole. Faut surtout pas que la voiture de flic explose. Chasse aux zombies boursouflés, validé. Impeccable. Vite la carte là, s'il te plaît. Hop, hop, maison. On évite de se planter, c'est quoi, c'est un lac? Ouh, oui c'était un lac, oui. Enfin une petite mare d'eau quoi. D'accord, je vois où je suis. Ok. D'accord. Putain, c'est loin, hein, oh. Ah, quand même, ouais. Ok. Allez, va tout droit jusqu'à temps que tu... Bon, je suis arrêté par des broussailles, quoi. Sérieux. Il est sérieux. Il est totalement sérieux. L'enfoiré. Ok, on va retourner sur la route. Quoi comme lieu ça? Y'a rien dedans? Hors de zombies signalés, je m'en cale. Voilà, là on va arriver sur le bus, le pont, on va à gauche et on est à la maison. Oh ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais, la maison monsieur. Ouais ouais ouais. Putain, c'est chiant ça. Bordel, vous pouvez pas garer les bagnoles dans bande de boulets. Il faudrait un voiturier, s'il vous plaît. Voiturier! Voiturier! Impeccable. Voilà, on a posé les médicaments, les machins, les trucs. Matériaux de construction, c'est parfait. Amis viewers, je vais te les laisser là. Les laisser là pour cet épisode. Je te fais des gros bisous et on se voit demain pour de nouvelles aventures. Ciao.